Good morning, la peau. Bienvenue sur Duke Radio, la seule radio post-apo. La bonne nouvelle, si vous nous entendez, c'est que vous êtes toujours vivant. Y'avait pas de temps à perdre. Non mais ça le truc de la paix quoi. T'as abîmé ta moto, ouais. Mais qu'est-ce que... Merde, je suis allé à l'élimination, moi. Comme je le disais plus tôt, on n'avait pas de temps à perdre. Anything you like? Il ne nous restait que quelques minutes pour toucher nos primes. Autrement dit, fallait qu'on se grouille avant que Bob nous fiche dehors. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était juste. Trop juste. Ah merde! La nuit allait tomber et Bob nous a fichu dehors. Une élimination rang 1 à 750. Ah ouais. Ouais, on a 680. On a des quêtes ici dans le coin. Fallait pas rester là, sinon on allait geler sur place. J'ai des provisions enterrées, j'ai des récupérations dans la petite ville à côté. On a quelques quêtes dans le coin. Hein. Restait plus qu'à se retrousser les manches. C'est parti. Bon, je creux, je vous fais confiance. On dit la même chose aux gosses sans jamais y croire. Avantage M2. Les deux tourelles. Attention, il y a beaucoup de jaunes ici, des gros formats. Visiblement, ça chauffait là-haut. Alors je me suis dit que j'allais peut-être leur remettre une double dose. Quentin, fais gaffe. Une double, voire une triple. Ok, il est mort. Derrière toi. Je recharge. Bon, c'est... Ça va les gars? Non, je suis pas bien. Et une dernière pour la route. Il m'a mordu. Ouais. En voilà encore un. Au blocage. Tous les aides du coeur appliquaient. Fallait qu'on se grouille de le trouver, ce trésor. Gros Bob jaune. Lentement, je me rapprochais du but. Et là-haut, ça chauffait toujours autant. Un deuxième gros Bob qui arrive. Derrière toi, ça me fait bon. De temps à autre, je remontais là-haut voir comment ça se passait. Puis après chaque vague, je retournais dans le trou. Tu l'as bientôt, toi, Willy? Ben, je suis prêt, ouais, mais... Je l'ai en fait. Ah ok. Attention, ça revient, il y a encore plein de verre. Ça va? Ouais. Restait plus qu'à foutre le camp de là. Mais dehors, c'était toujours une sacrée fiesta. Bon les gars,
Voilà, attention au pic. Merde, je suis tombé dans le trou. Pas grave. Oui, mais il y a le flic aussi. Tire-le. Ça va? Ça va. Ah, resto, sur toi. Derrière. Oufti, ton marteau, il t'a sauvé la peau. Bah, pourquoi tu crois que je reste tout près? Crieuse, par loin. Elle est morte, j'ai eu. Ça, c'était ce qu'on appelait une mêlée sanglante. Ah, voilà, il faut recharger beaucoup de trucs. Ah, ben là. Infecté, fatigué, bazar, machin. Oh merde. Y'a qui encore qui doit prendre ce truc? T'en t'aimes moi? Ouais. Bon, allez, c'est bon, je peux aller chercher? Attends, même 63, j'ai plus de palme. Que vous avez vu, Ovi? Ah, oui. Attends, je me soigne. Je pensais pas que j'avais pris autant, tiens. J'avais pris. Et le pire, c'est qu'on n'avait pas encore terminé le boulot. Ça va? Il en reste un, mais ça va, je le fais. Ouais, il arrive. Et n'oubliez jamais, ne jamais faire confiance. Bah, encore bien que tu le fais. Allez, je recharge. Qu'est-ce que tu fais? C'est parti, go! Ah, il devait aussi le prendre. Pour ça, on... ouais. Derrière toi. Soudain, ce fut un silence de mort. Bon, ouais. Il y a un sac bleu ici. Et j'en ai pris, mais plein ma tronche. Hein. Ah, nous aussi, faut pas croire, hein. Ah, du 762, cool. Eh ben, c'était grand 2, mais... Vous l'avez dit, hein, les gars. Chaud, hein. Voilà. Faut vraiment qu'on essaye de faire un truc en hauteur et pas faire les cow-boys comme on fait. Hein. Bah, comme on fait d'habitude, faut faire des petites structures, ça marche bien. Mais... Ah, voilà. Mais faut les faire. Faut les faire, ouais. Puis on a enchaîné par quelques missions en ville. Wow. Si on arrive. C'est la même qu'on a fait. Bah oui. On connaissait bien ce genre de pioule, alors ça a pas traîné. Oula, y'a du lait. T'es où toi? Mais tu vas crever, oui. Au-dessus de l'escalier. Ah. Oufti, les gros, voilà. Les gros fluos, ils sont... Ah, ils font mal, hein. Ah, surtout aux balles de pompe, hein, ils absorbent. Comme on dit toujours, le gras, c'est la vie. On s'attendait pas à trouver grand-chose dans ce genre de pioule. Mais parfois, c'est dans les endroits les plus inattendus qu'on trouve les choses les plus intéressantes. Oh, ça va t'intéresser. Ça, c'est une bonne nouvelle. Grâce au plan que j'avais trouvé, on allait pouvoir économiser du carburant. Ouais. Ça va être cool. Grâce à ça, on allait avoir de sacrées bécanes. Oui. C'est fait. On a fini le boulot, et puis on a raflé tout ce qui nous intéressait dans la pioule. Santa et la Willy. Ensuite, on a enchaîné. C'est pas à moi l'enfer, en plus. C'est parti. Regardez-moi l'autre couillon là. Il y a un serpent. Un chien. Non mais on était dans un zoo ou quoi? Oh la vache. On te l'a explosé le chien. Il n'a rien. Le chien il a été vaporisé. Ah oui là. J'entends un serpent. Je détestais les animaux. Et sans pattes, c'est encore pire. Ah il arrive là. Toi, t'as pas la tronche d'un koala. Alors, je vous rappelle qu'il y a des provisions ici à trouver. Et que si vous trouvez du miel, accessoirement... Ouais, parce qu'il fallait quand même pas qu'on oublie que moi et Santa, on avait une légère petite infection. Ok.
Évidemment, dans cet Audi, on a trouvé tout, sauf du miel. Écoute, moi j'ai commencé par la droite, et vous êtes en train de faire la gauche. Avec les cousins, on fouillait les caravanes les unes après les autres. Faites gaffe qu'il y a un ours par l'autre moto. Ah, c'est ça que tu me disais d'aller remettre mes trucs dans la moto. Merci. Voilà. Et parfois au milieu de cet Audi, on trouvait un objet qui avait une réelle valeur. Et on est dans l'hiver, l'air de rien, les loot. Ah ouais. On a trouvé les bi-blocs Bob voulait, et puis on a quitté cet endroit. L'ours elle est juste en face de nous hein. Ouais je sais. Voilà. Une chose est sûre, on mourrait pas de faim. Je crois qu'il a eu mal. Je crois qu'il n'a même pas compris ce qui se passait. Non, je porte pas là. Bah allez. Alors, on en a une. Ah, bon. J'avais la migraine moi. Ah, on a une juste à côté normalement. Ouais, à 100 mètres. Moi j'ai pris le maximum. Si vous savez prendre le reste. Ouais, ça devrait aller. Si je me trompe pas de touche. Voilà. Ah, t'as tout pris, ok. Ah bon. T'as le bus. Ouais. Ah, bien démonter les bus. Bah, si vous avez de l'essence, vous pouvez mettre dans ma moto. L'avantage de ces petites missions en ville, c'est que d'un saut de puce, on passait d'une à l'autre. Ah, j'ai réveillé des gens déjà. Pas bien. Tiens oui j'ai pour toi. Ça pour toi. Ah ouais merci. Je sais pas vous, mais moi, l'émission dans les cryptes, ça avait quelque chose d'assez solennel. Je lance juste après. Ouais vas-y. Ouais. Oula. C'est bon. Je c'est te bon, déteste. Bon. Il t'en a collé une ? Ouais. Oui, il m'en a collé une. J'allais considérer ça comme un avertissement. Alors là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Oula, y a du verre qui sort. Ça me rappelait quand on était gosse, on adorait creuser dans les cimetières. Parfois on trouvait des trucs intéressants. Ben là, c'était pas le cas. Ah, la profanation. Ouais, y'a rien de tel. Les petites choses simples de la vie, en somme. Malade ici. Pas de guerre pour l'autre. Ouais. Voilà. Et l'autre là, même dans une chapelle, il pouvait pas s'empêcher de jouer avec ses deux marteaux. C'est vrai que tirer la chevrotine dans le loot, c'était pas une bonne idée, mais bon. Ok, ça en moi c'est fait. L'autre aussi. Moi j'ai mon truc. Voilà ma sacoche. Pour Monsieur Airstore à l'intérieur. Oh, viens voir papa toi. Qu'est-ce que je vais bénir ? Bob proposait peut-être des récompenses minables. Des gants en acier level 6. Mais le couet rattrapait largement. Alors, le sac au-dessus est pris ? Non, je vais monter. Non, ça va, je l'ai. Ouais, tu l'as eu ? Ok. Ouais. Ouais, ça va, j'ai ma sacoche. J'étais pas fâché de quitter cet endroit. De plus, la prochaine mission se trouvait assez loin de la ville. Je commence à être bien affecté, moi. Je commence à avoir une sérieuse envie de cervelle. Ah bah attends, si tu vois une souche, on s'arrête. Là, il y a une souche. C'est pas avec ce qu'il y avait dans le coin que j'allais te rassasier. Tiens, à tout hasard, il y en a pas de vous qui a des vitamines sur lui. Non, si j'ai des antidouleurs. Non. Et dans ma moto, non. Ah, pas grave.
J'avais comme qui dirait un petit coup de mou. Une petite vitamine m'aurait fait du bien. En arrivant, tu auras un loup à pouvoir déplacer ouais. Ici. C'est la petite baraque là. Ouais. Avec les cousins, on avait décidé de pas traîner. Alors on s'est rapidement mis au boulot. Certains avec un peu plus de sérieux que d'autres. Oula. Il y a un puma sous l'arbre. Ou non. Faites quand même attention. Bon, je vois pas où. Vraiment sous l'arbre. Ouais, ah oui, voilà. Ah, ouais. Un bûcheron aussi dans le sapin. Oui, ils battent. Il n'a plus de tête, le puma, si tu vas le découper. Et le bûcheron, il a toujours une tête ou pas? Non. Ici, je suis dessus. Oui. Bien sûr, moi. L'autre côté, derrière toi. Voilà. Youhou. Comme d'habitude, on a d'abord commencé par nettoyer les alentours. On n'aimait pas être dérangé. C'est lancé. Une fois les alentours nettoyés, on est rentré dans le dur du sujet. Et nous, généralement, quand on rentre dedans, on n'y va pas par quatre chemins. J'adore ce genre de baraque. Qu'est-ce que vous voulez? On se refait pas. J'ai l'aidé. Ouais, sac jaune pour Monsieur Santa. Attention, bûcheron. On a rapidement terminé de visiter les lieux. Ben voilà. Des caisses pour Monsieur Santa ici. Okay. Allez, dis-moi qu'il y a un antibiotique. Une vitamine. C'est fouillé. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est parfois dans les endroits les plus inattendus qu'on trouve les choses les plus intéressantes. C'est aussi. Je suis au max en manuel des armes automatiques. Ah bah bien ça. Et voilà, une revue médicale en plus pour Willy. Au sol. Mais toujours pas d'antibio. Merci. On a pris tout ce qu'on a pu trouver d'intéressant, et puis on a fichu le camp. Ah! À croire à la technologie, je vais à Deadpool. Nice. Ça fait quoi? Fabriquer toutes les munitions de tourelles en gros. Ben voilà. Bon alors, on doit retourner chez quel train de plein sud? Ouais. Bah, on en a deux de toute façon à faire des traders. Ouais, bon. Restait plus qu'à aller chercher nos primes. Coffre de droite, c'est pour vendre. Alors, qu'est-ce que j'ai à vendre? Ça. Mais bon, les récompenses de Bob, on en a déjà parlé. Je vais déjà chercher mes récompenses, j'irai vendre après, quand Santa sera venu se vider. Ouais. Non, mais c'est triste d'être pauvre. Mais à ce point-là, c'est un crime. I owe you one. A predicament. I can't thank you enough. Je pourrais te donner aussi une lance en acier niveau 4 parce que j'ai trouvé une 5. Ah oh, ça c'est cool ça. Ouais, ça c'est top. Ah. Ah ben. Quelle bonne idée de laisser. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, allez. Venir dropper là où il y a du brouillard, quoi. Ah ouais. Ils le font exprès. Ils nous avaient toujours pas oublié, ceux-là. T'as repris toi, Willy? Ouais, j'ai pris une provision enterrée, moi. Ah, ok. Prends une à prends deux, la colle. Deux mètres, moi. Ouais, prends de la colle. Oh, la colle. Messia 6. Moi, je ne le connais pas. Prends-le pour toi.
sûr. Schéma de modification de doublure isolante. Oh, il est vraiment pas loin, le drop. Peut-être aller le chercher. Tu peux aller si tu veux. Oui, tu peux prendre ça. Oh, on a trouvé pas mal de trucs, mais par contre, pas de vitamines. À ce niveau-là, c'était la loose. Pas de miel, pas de vitamines. Le temps de charger tout ça dans les motos, et puis on est allé chercher le drop. Erstor, tu prendras le reste ? Oui, oui. Alors, vraiment pas grand-chose. Pas de soucis, je prends. Alors, on a appuyé sur le champignon. Paquet d'armure en acier, paquet de magazine de compétences de fabrication. Paquet d'armure en acier ? Ouais. Attention, il y a du fumier aussi dans les parages. La provision en terreau va peut-être éviter, on a plus trop de balles. Ouais, ouais, surtout une level 2 quand on voit ce que ça a coûté comme balle ici. Ben, c'est justement pour ça que je suis en train de regarder. On a deux récupérations en deux pas loin. Au niveau de l'heure dans la journée, on a le temps. Maintenant, ça dépend de vous. Ouais, on va aller faire une rang 2. Allez. Ben, Dieu, mais je crois qu'il n'y a pas d'abeilles en fait ici. Elle supporte pas. Elle n'aime pas le froid, c'est ça que tu veux dire? Ben, j'ai l'impression, ouais. Faut avouer, pas folle les guêpes. J'ai pulvérisé je ne sais combien de souches et... Que du bois. Oh, il y en a une là, on ne sait jamais. Je te sors bien. Même pas. Alors, avec les cousins, on est retourné en ville. Bon. Voilà, c'est fait. Ok. Attention, il y a le voisin qui est là. Allez, gars, je veux du miel. Un antibio du miel. Cassos. Courageux, mais pas trop. Ah, le gros. Sale bièce. Ah, ils ont changé un peu le PO ici aussi. Ouais, joli. Ouais. La corde, c'est sympa. Bah ouais. J'aime beaucoup. Au full. Mais dans ta moto, ouais. Et oui. Ah, lui ne me plaît pas par contre. J'ai cru voir un gros airstone. Arrête de bouger, je te dis. Non, c'est pas ta faute. Si, on monte. Un peu quand même. Ouais, je t'attends, je suis derrière toi. Mais qu'est-ce que... Oh mais tu vas me foutre la paix, sale bièce. Et tu sais que cette saloperie de vautour m'a empêché de taper sur la gonzesse. T'aimes pas les volatiles. Ça tombe bien, moi non plus je les aime pas. Alors il y a des provisions, n'oubliez pas. Ok. Et faites attention parce qu'il y a du bourre ici. J'ai une mallette là. Oui, il est barbelé. Bon, tout le monde y est. Il y a une niche dans le jardin. Ça ne veut rien dire. Bien sûr que non, ça veut rien dire. À l'intérieur, on peut pas dire que les occupants se sont montrés très accueillants. Oh, ça arrive, il y a du verre, les gars. Ah, va. Dans le tas, ça dit quelque chose, ce PO ici. Non. Non. Tu l'as pas reconnu, mais il a un tout petit peu changé. C'est ici qu'on avait fait notre lieu de vie dans la dernière alpha. On avait fait. Ah.
Ouais, ouais. Ouais, mais c'est, c'est l'arrangement hein, qui est pas. Santa, le coffre-fort est ouvert ici, si tu veux. Ok. Bah quoi, j'avais pas la clé. Ah, c'est vrai, j'ai... Ah, mais non, j'ai plus. Les deux caisses aussi. Vitamine, tu voulais, Willy? Oui. Ici. Attends, par terre. Vitamine par terre. Oh, oh, mamie tromblon. Ah, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est pour toi. Ouais. Santa? Ouais. J'ai un truc pour toi. Ok. Tiens, je jette au sol. Regarde si tu connais. Ouais. Où est-ce qu'il est? Je ne le connais pas. Cet endroit valait vraiment le coup. Ouais. Merci beau. J'ai déverrouillé les lances en acier niveau 2. Yeah. Bah écoute. Ah ouais. Chien. Oh oh. Ouais. Vous vous souvenez, la niche dans le jardin. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme objet level 6 ici? Bah... Ouais, vous trouvez bien pour vous. Pour l'instant, c'est bien. Le mec déçu là. Non, 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 non. Le mec à qui on a donné plein de bouquins, de. C'est ça, celui-là. Il pas. Eh, grave. Hein. Des roues, des... Comment fabriquer un siège. Exactement. En fait, j'ai pas de bloc gagné. Plus de l'argent, plein. Tout ouais, ce qu'on gagne, on lui donne. J'avais même oublié l'argent. Il est vénal. Mamie Tromblon nous avait prévenu. En se dirigeant vers la mission suivante. On s'est fait une bagnole de flic. Arriva, arriva. Bah, attends que Kerstor l'ouvre. Ouais, ça peut. Tu peux regarder, Santa. Ouh, bah, c'est pour Kerstor. Ah. Par contre, il y a peut-être un truc, ce sera pour Willy. Quoi? Il n'y a plus rien. Je sais pas. Drone, oh. Non? Ah non, 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 c'est pour Kerstor, ça. Oh, t'aimes pas avoir un drone comme ça qui te suit tout le temps et qui fait... Ah si, si, j'aime bien, mais je crois qu'Airstore en a plus besoin que moi. Ah, on vide l'ambulance? Ouais. Ouais, il y a peut-être quelque chose pour moi là-dedans. Ah oui, il y a des vitamines. Ouais, mais ça j'en ai. On a donné ça. Il y a des jours comme ça. Ah, ce qu'il me faut maintenant, c'est un antibio. J'ai un antidouleur, désolé. Bon, on y va les gens. Ah ouais, c'est parti. Enfin, quelle idée de se garer là. Ah écoute. C'est cool que dans les bouquets de Cosmic, je suis déjà quasiment à la moitié. Bah ça m'étonne pas. La vitesse où ça va. Oui. Salopard. Tiens, comme ça t'iras un peu plus haut. Merci. J'ai ma mallette. J'ai réveillé des gens en bas. En bas ou en haut? En bas. Je vois leurs pieds. Je sais pas où tu es. J'avais pas de temps à perdre. Je sais pas par où ils sortent en fait. Ah Je l'avais échappé belle. Ça va. Ben, l'étage non? Cette voilà. Baraque était dans un tel état que c'était devenu un véritable labyrinthe. Un labyrinthe, avec ses pièges. Ouais bon, l'échelle est là, je remonte. Eh ben bravo! Thank you.
Lâche, c'est pour les faibles. Ah, il y a une mallette ici derrière. Ouais, c'est la mienne. Fallait rester méfiant, toute cette baraque tombait en ruine. Ça, c'était le piège à con. Je suis pas tombé. Non, je parlais à Santa. Ouais, je le savais. Un petit bond en avant. Ouais, je sais. Voilà, j'ai tout fouillé. Ok. Pour Monsieur Erstor. Ah bon, bah, on va là. Bon, bah, allez, rendre les quêtes. Allez, on va rendre les quêtes. On se casse. On n'avait rien trouvé de bien fameux dans cette ruine. Bon, Monsieur Erstor. Pour ne pas se tromper de trader, c'est ça? Alors on s'est rendu chez Bob, le frère jumeau de Bob. Paquet de magazines sur les compétences de fabrication. C'est peut-être pas mal ça, non? Mm-hmm. J'adore prendre aussi. Rabatteur de nuit, volume 5. Tu connais ou pas? Je regarde. Ouais, je n'en connais aucun là-dedans. Je l'ai. Ok. Bah c'est les arcs, 10% supplémentaires la nuit, tu n'utilises plus toi. Non. Bon alors, je prends pas ça. Ouais, rien de folichon en somme. Willy. Meuf de vitamine. Pour toi. Elle se fout de ma gueule là, c'est terrible là ça. Merci. Si j'avais un marteau, c'est pour qui? Pour moi. Vous voulez une bonne nouvelle? Ah tiens, Santa, pour toi. Merci, pour toi. Oui. Merci. Vas-y, donne la bonne nouvelle. J'ai accès au pour le levier et les portes électriques. Ah, électrique. Ça c'est cool. Santa, pour toi, par terre. On allait pouvoir avancer sur la base. Willy. Oui. Comment se blinder, c'est pour toi, moi. Ça. Ouais. Oui. J'ai du Magnum Enforcer volume 6 aussi. Grâce à ces bouquins, j'allais pouvoir fabriquer de sacrées armures. Oh, c'était intéressant ça. Je te file le fric, Elstor. Ouais, vas-y. Voilà. Thank you. Un petit peu de des sous. Allez, on fonce chez le trader, on a le temps d'y arriver. Vous vous souvenez, Bob, le frère jumeau de Bob. Il y a des parents, faudrait les mettre en taule. Des balles à paix, schéma de poche d'armure, antibiotiques naturels 4. Pas trop tôt. Ah, je vais trouver du miel. Même plutôt trop tard. Ouais, mais ce sera pas suffisant. Bah alors. Ouais, mais ça va déjà faire diminuer. Ouais. Pourquoi je prends les balles à paix alors? Tu veux, ouais. Bah, tu fais comme tu veux, franchement. Ouais, je vais prendre les balles à paix. C'est peut-être plus intéressant. Fallait pas traîner, parce que Bob allait pas tarder à fermer ses portes. J'ai un peu de passe, ouais, j'ai un peu de passe. Ouais, voyez-vous les gars. Santa n'aura pas le temps. Ouais. J'ai pris ce que je pouvais, les gars. Ok. En fait, il aurait peut-être mieux valu pour Santa qu'il n'ait pas le temps. Je peux peut-être, on est jeté dehors. Ouais. Ouais. Il essaye de me jeter dehors. Ouais, en 3 fois, bon, c'est. J'ai pris tout ce que je pouvais, moi. Ma moto est pleine et je suis plein. Attends, parce que moi, je suis à 81 mètres de vous. Je dis, ouais, il m'a sorti de la ville, quoi. Moi, je ne sais pas prendre ni dans ma moto, ni sur moi. On t'attend, Santa, tracasse. Ouais, mais y'a un mec qui est pas content et qui arrive. Viens vers nous, il y en a 3, fais gaffe. Ah ouais. Quelque chose me disait qu'il valait peut-être mieux pas trop traîner ici. C'est bon, c'est bon, ils sont morts. Alors, Willy. Ça c'est pour Willy. Moi je n'ai plus de place.
Ça sert à rien de me donner quoi que ce soit, j'ai plus de place. Ah bah ouais, y a du miel ici. Bah ouais. Ok, j'en prends vite 3. Voilà, normalement ça devrait suffire. Y a des trucs dans les caisses ou... Ouais, oui. Il reste un tout petit peu dans le coffre. Mais je sais plus rien prendre. Faut vraiment que... Ah, allez, on retourne à la base. Enfin ouais. Du moins, ça c'est ce qu'on souhaitait. Merde, et ma moto il l'a tapé où? Ah, tu l'as sur ta boussole normalement. Ouais, c'est cool, elle est à l'intérieur, je la vois. Non. Si, si, je la vois. Ah merde, t'étais rentré avec dedans? Ouais, elle est là. Ah merde. Regarde. Ah merde alors. Ah, je savais pas que c'était possible ça. Et c'est. Bah ben, voilà. François, il y a un bûcheron qui arrive. Bon bah bonne nuit les gars, viendrez me rechercher demain. On peut pas se mettre à deux sur les moteurs. Bah si, bah, mais dès qu'on aura fait le mode, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. On l'a pas de toute façon le mode de siège. Bah si. Si. Si, je l'ai amené tantôt. Tu l'as. Moi qui l'ai pris. Ah oui, oui, c'est vrai, je l'ai. Bah dès que je sais le faire, oui je vais le faire, mais... À dire pas de suite. On avait l'air fin là. Bah voilà, rigueur, t'y vas. Vous me laissez des munes. Tu veux quoi? Vous rentrez, vous faites un siège et vous revenez me chercher. Tu veux quoi comme munition? Attention, vous. Merci. Allez, façon, pour adieu. On vient ici, On a ouais. Filé de la bouffe et des balles à Santa et on l'a laissé là. Ah, Santa, pareil. Mais très sincèrement, je ne savais pas que la moto pouvait se laisser enfermer et que le joueur se faisait foutre dehors. Ben, je ne savais pas. Et je t'avoue que la nuit passée, quand on a été déjà limite, je me suis dit, je vais pas le te risquer, moi j'ai la réponse. Ah, mais non, c'est le côté pratique du truc, c'est qu'on a testé maintenant. Ouais. Grâce à Santa, ça c'est fait, on peut mettre une croix. Et ce fut le retour à la base, du moins pour restaurer moi. Alors, se vider. De retour à la base, on a trié tout ce qu'on avait pu trouver. Et on a amélioré quelques petites choses. On restait en contact avec Santa via la radio. Ça va toujours, Santa? Ça va, je survis. La vie est belle? Ouais, on a une belle vue, en fait, à d'ici. Faute de mieux, Santa avait trouvé refuge sur le toit du payage. Durant la nuit, je me suis occupé de fabriquer de meilleures armures pour Santa et moi. Airstore, lui, fabriquait quelques éléments pour nos motos. Ouais, c'est en train de se faire, c'est pas encore fait. Ah, ok. Par contre, je prends un des mods pour avoir une place. Ouais, c'est fait. C'est pour toi, et il y en a qui est pour toi, et celui de Santa est en train de se faire aussi. Impeccable. Et je suis en train d'aller chercher Santa ici. Oui, j'ai bien dégagé devant chez le trader. Pour tuer le temps, Santa avait coupé quelques arbres. Lancer du café, moi. Pendant que les deux autres loustiques étaient loin de la base, je me suis occupé du ravitaillement. Et de temps à autre, je continuais à nous confectionner de nouvelles armures. Je regarde ce qui serait le plus intéressant pour le drone. J'ai un drone niveau 1, mais je ne sais mettre qu'un mode, donc je regarde ce qui est plus intéressant. Bah pour toi, peut-être le transport, non? Bah ouais, c'est ça que je regarde ce que je vais faire. Une fois les deux touristes revenus, on allait peut-être pouvoir enfin se remettre à bosser. Je continue à disposer des lanternes autour de la base. J'aimais bien voir venir les crieuses. Normalement dans les modes tu as du camembert etc pour mettre sur les tourelles. Je te mets en bas ce que tu peux éventuellement mettre sur les tourelles. Ouais ouais, ok. N'hésite pas. Ouais. Santa, tu as ton armure level 4 qui se trouve dans l'établissement. Ok, je vais venir chercher ça. Nos nouvelles armures étaient prêtes. Dès que mon petit bonus s'est terminé. Aussitôt, je me suis occupé de les améliorer un peu. Ok,
ça tourne toujours très bien, c'est nickel. Quant à nos anciennes armures, on les a soigneusement rangées dans le coffre. On sait jamais. Ah. C'est derrière la petite botte. Où es-tu, ma gueuse? Oh, je pense qu'elle est peut-être bien morte ici, là. La clôture continuait magnifiquement à faire le job. On a 610, je vais garder ça. Bon, en pièces d'armes, en armure lourde, il nous en reste un petit peu. Armure militaire, tu veux éventuellement que je t'en fasse une level 4? T'as assez d'adhésif? C'est la fibre militaire qui risque de poser problème. Ah, voilà. Au casque militaire, je peux te faire, hein. Ouais. On avait pas mal de ressources, alors je me suis occupé de faire une bonne armure militaire à Airstore. Avec ça, il arrêterait peut-être de ressembler à un clodo. Peut-être. Ton armure est déjà faite. Ça se fait vite, les armures militaires. Ouais, tu m'avais dit ça. Une seconde, t'as l'armure. Avec tout ça, on était parés. Comme ça, on est tous minimum 4 en armure, normalement. On a déjà des pièces d'armure 6. J'ai un casque du SWAT level 6 et des gants en acier level 6. C'est top. Et Santa, il a des jambières, si je me trompe pas, level 6. Enfin du matos de qualité. Et le reste level 4, donc. Non, il est bien. Alors, j'ai deux bouquins, commence blindé et l'électricité pour débutants. Commence blindé, tu peux me les donner. Les voilà. Et je mets donc dans vente les deux. Ah, mais il y a encore plein de trucs. Dans vente, ouais. Ouais, il y a des commences blindées, l'univers de la forge, l'équipement tactique, système D. Bien sûr. Alors. On est bon. Univers de la forge, c'est pas pour moi. Équipement tactique. Tu peux prendre l'univers de la forge, Wally. Ah, ben ça. Oui. Ensuite, Santa est parti miner, et Airstore et moi, on s'est occupé un peu de la base. Ça a vraiment bien solide. Comme ça, c'est vraiment ici la limite en dessous, quoi. Ok. Avec ça, le pied de la tour serait à toute épreuve. Allez, il est pas. C'est pas grave, c'est vrai. Comme ça, on a vraiment la bonne grosse base de piliers qui est solide. Ça va. Voilà. Voilà, super, merci. Ceci fait, je suis parti m'occuper de mon jardin. Mais apparemment, certaines ressources commencent à manquer. Par contre, ouais, il faudra vraiment du plomb aussi. Ouais, du plomb, pas loin. Ben maintenant, il y en a qui font, ouais, mais... Le silencieux, j'avais failli en avoir un début de partie, j'ai hésité à le prendre, on en a pas retrouvé. Ça aurait été bien pour Santa. Bah t'en veux, je sais les faire. J'en ai un, hein. Un silencieux? Ouais, j'ai un silencieux sur le choisir un silencieux, moi. Ah bah ok, je vais te le faire de suite. Ah, je savais pas que vous savez les faire. Non mais personne me dit jamais rien à moi. Ouais. Ah ben voilà, un petit silencieux. Ah ben ça change tout. Ah voilà, avec un petit silencieux. Non mais écoutez-moi ce son. Ouais, ça voit pas, mais c'est testé. Un petit sac jaune. Approuvé. Je regarde en bas, il reste plus qu'à remplir d'eau. Avec Airstore. On passait à la dernière étape du sous-sol. Je te vois balancer tes souliers dessus. Ah bah écoute, je vais pas descendre à chaque fois, t'es fou toi. Restait plus qu'à remplir tout ça de flotte. Bon allez. Ah, il y a une gueulante. Ouais. Je cherche où elle est. Je l'ai entendu. Ouais, je la vois, mais... je la vois. Tire. Ah merde. Ouais, je mettrai un peu d'action. Évidemment, dès qu'on bosse, faut que les autres zazers appliquent. Oh, mais... oh, une verte.
quoi, une... gueulante verte. Ah, c'est la première fois que je vois celle-là. Elles sont viens, où? Viens voir. Ah ouais. Ah, oh, c'est cool. Elle est tombée en bas. Fais gaffe, elle arrive. Ça amène comme des grosses saloperies. Bah hein. Oui, mais... Je dis pas le contraire. J'ai le gros verre qui était coincé chez le voisin. On avait bien bossé ce jour. Mais c'est encore loin d'être fini. Le nombre de litres d'eau que je dois mettre. Ouais, ça... Ça t'amuse. À tous les amis de la Rivière Blanche, voici qui conclut notre émission du jour. Et surtout, n'oubliez jamais, si vous voulez survivre, alors restez à l'écoute.